Je travaillais dans les magasins de chaussures, je travaillais dans les magasins de téléphones portables, j'ai vendu des télés, j'ai fait de la compta dans les bureaux. Donc j'ai même été agent immobilier pendant un moment donné. Pour moi, c'est grâce à la danse que je me suis retrouvé à devenir serrurier, parce que justement, j'avais un danseur à côté de moi qui était serrurier et qui m'a formé à devenir serrurier comme on me forme à faire une coupole ou à breaker. Voilà. Monsieur, il a claqué la porte. Là, il n'y a pas de jeu. La radio, ça passera pas. Donc là, je suis obligé de percer. Mais je ne vais pas percer la serrure. J'ai une petite astuce que mon ami Benji m'a appris. Un jour, moi, j'étais à la salle avec Benji, donc on s'entraînait, et il me dit « Ah, je dois partir, j'ai une intervention, viens avec moi, si tu viens m'accompagner vite fait. » Bon, moi, je l'accompagne, j'ai une intervention, il me dit « Non, vite fait, je dois aller ouvrir une porte, viens, ça va être marrant. » Ce qui se passait, c'est qu'en fait, il venait danser avec moi l'après-midi, et des fois, je disais « Bah, Tony, j'ai une intervention, je vais y aller. » Il me dit « Ah, bah, j'ai rien à faire, vas-y, je viens avec toi. » Et il venait avec moi, donc il a compris qu'en deux interventions, j'avais fait sa paye. En sortant de chez le client, enfin de chez la cliente, je me rappelle, je lui dis, t'as de la chance et tout. Autant ça paye en serrure et tout, t'as de la chance. Il me dit, ah non, c'est comme ça tous les jours. Le soir, on s'entraînait, il y avait une intervention, on allait la faire, on revenait chez moi, on se réentraînait, on allait bouffer. C'était devenu une petite routine et à la finale, il est devenu ce qu'il est, serrurier. Quand je suis revenu, j'avais comme un besoin d'avoir un peu des gens autour de moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, on a besoin un petit peu à notre retour d'être un peu épaulé, d'être un peu... Et Tony, vu qu'on a le rapport déjà Fudge, ce qui joue beaucoup, il est venu un peu m'épauler, m'encourager avec Yuval, etc. Et en fait, le rapprochement s'est fait naturellement. Donc quand j'ai commencé à comprendre qu'il était intermittent, je me suis revu un petit peu, si tu veux, 15 ans en arrière. Je me suis dit, ouais, il faut quand même lui faire une petite passe. Alors, j'ai déjà essayé de faire des passes à des mecs dans ma vie sur le travail, etc. Ça marche pas toujours. Il y a des mecs qui sont pas faits pour. Il y a des mecs, ça les intéresse pas. Il y a des mecs qui sont tellement passionnés par la danse qu'ils en oublient tout le reste. Ils s'enferment dans une bulle. Lui, pour le coup, ça a pas mal fonctionné. Je lui ai prouvé qu'on pouvait et danser, et organiser des événements, et gagner sa vie à côté. C'était compatible. C'était pas soit tu travailles, soit t'es mort. Chose que moi j'avais pas compris jeune au début quand j'ai arrêté. Quand j'ai arrêté, c'est parce que j'étais persuadé qu'on pouvait pas faire les deux, qu'on pouvait pas atteindre un haut niveau et être autant performant au travail en danse. J'ai toujours trouvé que c'était compliqué et je me suis trompé. La preuve, c'est que en 2013, quand je suis revenu, j'ai jamais été aussi fort que quand j'étais plus jeune, quoi. Alors que j'avais deux fois plus de responsabilités, des sociétés, etc., des pressions. Mais finalement, je crois que le fait de sortir justement du taf et te mettre dans la danse, t'es encore plus performant parce que t'as envie de t'évader, t'as envie de t'ouvrir. J'ai tourné pendant 2 ans comme ça en fait avec lui.
pendant 2 ans. Matin, midi et soir, j'attendais juste que le téléphone il sonne chez lui pour pouvoir me former. Et du coup, bah, il m'a formé sur toutes les marques de serrure, comment les reconnaître, toutes les techniques d'ouverture. C'est vraiment de l'adaptation par rapport à la situation qu'on a en face de soi. C'est pas t'arrives, ouvrir, non, c'est il y a une manière d'ouvrir. Et en fait, la première règle qu'il m'a donnée, Ben, c'est quand tu vas ouvrir, moins tu casses, plus ça va être facile pour toi de réparer derrière et terminer le travail proprement.